Salut tout le monde, ici Kevrecur et bienvenue sur WWE All-Stars pour le mode Fantasy Warfare épisode 12. Jimmy Snuka contre Kane, c'est notre duel. Ces deux superstars sont sans pitié. Laquelle est la plus sans pitié que l'autre? On va le savoir. Splendid with superstars with uncanny charisma and superior athleticism. But there are a select few who strike fear in the hearts of their opponents. Kane, the enigma, shrouded in mystery, his menacing presence fueled by uncontrollable rage. What in the hell will it take to keep this man down? Can any human being stop Kane? He's a monster! Jimmy Superfly Snuka. Primal, intense, fearless, impervious to pain. No one can do what Snuka does from the top rope like he does it. Snuka's body is his weapon. Jimmy can do anything he wants to do right now. One of the most phenomenal athletes the World Wrestling Federation has ever seen. He looks in unbelievable shape. He looks better than ever. Ruthless and aggressive. Kane and Jimmy Superfly Snuka are forces to be reckoned with. With no regard for life or limb, their own or their opponents, both have left a super highway of destruction in their wake. Superfly parts 15 feet high! Oh my God! Untamed and savage, man or beast, they are the faces who instill fear. We're both sick, twisted, and demanded. And most of all, we both love pain. I will feast on the fear of the innocent. Nobody gets up after the Superfly puts the final touch on him. Welcome to your nightmare. This is your destiny. They want to see him fly. Witness at your own peril. Speed versus size. Strength versus agility. A tortured soul versus reckless abandon. Who displays the most ruthless aggression? You decide. The end always justifies the means. Un point commun, mais tellement de différences. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. The following contest is a steel cage match. Oh, c'est de mieux en mieux, a steel cage match. Weighing 250 pounds from the Fiji Islands, Jimmy Superfly Snuka. Bon, déjà avec Jimmy Snuka, je pense qu'on va tenter le... Bah, son plongeon. And his opponent, weighing 323 pounds, from Ports Unknown, Kane. Voilà, le terrible Kane avec son masque. Et donc je me demande, pour les High Flyers, j'ai jamais testé, lorsqu'on a un finisher, est-ce qu'on le fait depuis la troisième corde ou est-ce qu'on le fait... depuis le haut de la cage. Enfin, lorsqu'on le déclenche, hein, parce que lorsqu'on maintient les bumpers, comme on appelle ça, les petits boutons sur les côtés, la RB et LB pour la Xbox 360, lorsqu'on les maintient, notre superstar se met en place, son adversaire se met en place pour prendre le finisher, et si on ne relâche pas, le finisher se déclenche dans à la suite. Donc là, je me demande si... ouais, non, normalement, il y a de quoi monter dans le coin. Donc, ouais, logiquement, ça devrait se faire depuis le coin. Ouais, oui, il y a la place, oui. Voilà. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de match en cage dans ce jeu. Oh, purée, différence de taille. Un High Flyer contre un géant. Oh, oh. Et, ah, mais oui, il y a des stipulations particulières. J'ai vu dans un épisode que quelqu'un m'avait dit qu'un match était un match Extreme Rules. Et, bah, j'ai loupé ça. Et, ouh, purée. Oh, mon Dieu, Kane. Donc j'ai dû louper un match Extremos dans le lot. Et j'écoutais, ouais, je devrais écouter l'annonceur de ring.
Howard Finkel, je devrais l'écouter. Parce que là, bon, Steel Cage, on voit que c'est un Steel Cage. Mais autrement, si on n'écoute pas, on sait pas que c'est un match Extreme Rules ou autre. Bah, de toute façon, les 1 contre 1 dans All Stars ne sont que des 1 contre 1 normaux ou des matchs Extreme Rules. Hein, c'est l'un ou l'autre. Enfin, quand ce ne sont pas des matchs Steel Cage, bien sûr. Évidemment. Oh, ouais. Allez, on enchaîne. Oh oui, Kane qui calme le Jimmy Snuka. Attends, qu'est-ce que tu crois faire, Kane? Allez, on court. Oh là là, c'est beau. Oh là 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 là, c'est beau. Il essaie de calmer Jimmy Snuka, mais ça ne marche pas. Allez, encore un backbreaker, histoire de calmer un petit peu Kane. Oh, secours! En plus, on a le ralenti. Oh là là, superbe! Il se relève. Il veut répliquer. Et c'est contré. Superbe. Oh, dommage. Dommage. Ah non, l'erreur. Erreur avec Jimmy Snuka. On enchaîne. Ah, dommage. Le reverse stomach drop aurait pu passer. Non, c'est bien ça. Ah, dommage. C'est bien aussi de la part de Kane. Un match assez tendu au niveau des contres. Allez, Running Bulldog, mes amis. Ou pas. Juste un gros coup de poing en pleine face. Ça marche aussi, hein, c'est très efficace. Allez, relève-toi, Kane. Relève-toi. On t'attrape quand même. Il s'enfuyait, Kane. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça c'est bien. Oh, vas-y, attaque. Oh là là, Kane. Tu n'es pas en forme, Kane. Oh, backstabber. Oh, German suplex. Oh, avec puissance de la part de Kane. Ah oui, d'accord, tu veux t'échapper. Non, reviens, Kane, reviens. D'accord. Et oh, Kane. Non mais Kane. Qu'est-ce que tu crois, Kane? Oh, mon Dieu. Oh mince, j'ai fait le même. Dommage. Oh, écoutez, c'est pas grave, c'est un match en cage. On ne risque pas le chaos. Il n'y a pas de chaos dans les matchs en cage. Dans All Stars. Non, Kane. Façon efficace de décrocher l'adversaire de la cage. Voilà, il est au sol. Parfait. Ah, j'ai pas pu enchaîner, tiens. En général, avec les reverse stomach drop, on peut enchaîner assez facilement. Non, mais reviens là, Kane. Voilà. Tu restes à terre, Kane. Voilà, un petit neck breaker. Non, Kane. T'as de la chance, Kane. Ah, d'accord. Alors, faudra tenter d'autres choses, mais pour l'instant, Kane est en train de lui faire très mal, quoi. C'est pas mal, les matchs en cage. Ça peut durer plus longtemps. On peut s'amuser un peu plus avec l'adversaire. On peut le torturer un peu plus. Lequel des deux le plus impitoyable, hein? Tu restes à terre. Ah, je brise tes espoirs, hein. Tu penses pouvoir t'échapper? Mais non, tu ne peux pas t'échapper, Kane. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non mais Kane. Ok. Allez Kane, reviens là. Reviens là Kane. Non mais allez, Kane, allez, je te défie. Saute. Ose sauter. Ose. Oh mon Dieu. Quel plongeon. Oh superbe. Très beau. Magnifique. Non, erreur, Kane, grosse erreur. Allez. Oh. Ok, superbe. Alors Kane, je vais t'expliquer un truc, Kane. Non mais c'est pas possible. Il va quand même pas gagner le match. Il va gagner le match. Il a gagné le match. D'accord. D'accord. It's over.
Alors, d'accord, tu as volé le match, Kane. Littéralement, tu as littéralement... Non, enfin, littéralement, métaphoriquement. Tu as volé le match, Kane. C'est bien joué, je suis jaloux. Tu as volé le match, Kane. Donc, je vous explique le truc qui est un petit peu compliqué quand même pour cette bataille-là de joystick en haut de la cage. C'est que vous devez maintenir le joystick gauche vers le haut pour grimper. Et que si vous l'agitez un peu trop tôt, bah, vous faites un petit peu n'importe quoi. Il y a peut-être moyen de commencer à l'agiter un petit peu vers le haut comme ça, juste le garder dans la zone du haut, je ne sais pas. Ça ne fait peut-être pas zigzaguer, donc peut-être qu'il faut faire ça. Parce que sinon, on sait pas trop comment commencer à... Enfin, on sait pas trop comment... Attendez. On ne sait pas trop quand, voilà, c'est ça que je cherchais. On peut commencer à agiter le joystick pour se battre. Et bah du coup, c'est compliqué. Surtout que si on prend un petit peu de retard, voilà. On perd souvent le duel. Et je suis un petit peu déçu là, parce que Kane, je m'attendais à ce qu'il me rejoigne, enfin, ce qu'il essaie de sauter. Ça aurait pu me permettre de continuer le match. Et surtout de le massacrer, quoi. Puis de le passer un petit peu en finisher, quoi. On va quand même pas faire un match sans placer de finisher dans All-Stars. Bon, on pourrait, hein, mais j'ai pas envie. Et là, du coup, Kane fait un bien meilleur match. Évidemment. C'est là que je vais galérer. Allez, priorité au... Enfin, à Superfly, pardon, Snuka. Allez, on va l'amener au sol. Boum. Non, c'est pas ça. Non, oh, mais non, voilà, je voulais monter dans le coin, je grimpe par erreur. Et oh, le Tombstone. Oh, le Tombstone. Tombstone Pile Driver. Oh, mon Dieu. Quand est-ce que je pouvais contrer? J'ai pas vu. Il roule. Non, j'ai dit non. Oh, j'ai dit non. Ah, purée. Lui il a dit je m'en fiche. Allez, petit coup de poing histoire de le calmer. Allez, il est au sol, donc on va l'avoir. Oh mon Dieu, que c'est beau. Oh, que c'est gracieux. C'est magnifique. Bon, dès que je peux, je le finis. Si je peux placer un petit coup spécial en plus. Déjà, j'ai évité un coup spécial, c'est pas mal. Boum, coup de boule. Allez. Je réfléchis. Peut-être un coup dans le coin. Eh, mais Kane n'est pas très fatigué, là. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Boum! Allez! Oh, choke slam! Oh mon Dieu, cette violence de la part de Kane! Oh oh! Oh mon Dieu! Un autre choke slam, mais cette fois-ci plus violent, plus puissant, plus cruel, plus impitoyable! Oh mon Dieu! Il va grimper. D'accord, il grimpe pas. J'étais sûr qu'il allait grimper. Et c'est que le premier match pour l'instant. On en est qu'au premier match en plus. Alors attendez. Oh là. Ça prend énormément de temps de placer ce coup là. C'est très risqué d'essayer de le placer. Alors attendez. On est en match Steel Cage. Donc c'est parti. On utilise un coup spécial pour écraser Kane contre la cage. C'est parti pour le splash. Voilà, de Jimmy Snuka. Alors merci. Au revoir surtout. Allez, on grimpe tranquillement. Comptez pas sur moi pour faire un plongeon de la cage. D'accord, bien joué Kevin. Et même quand je prends de l'avance, je me rate quoi. Non, ça marche pas, hein. Quand je fais ce que j'ai dit que je ferais, ça marche pas, hein. Il va gagner le match encore. Il gagne encore le match. Kane. Oh, Kane, tu m'énerves. Je joue mal. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Je pense que le vainqueur de ce duel va être Kane. Incontestablement.
Et ça fait deux fois maintenant, deux fois qu'une superstar me bat deux fois de suite. Et en trois épisodes. L'épisode 10, c'est déjà arrivé. Et là, l'épisode 12, ça se reproduit encore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on va essayer de faire une victoire expéditive contre Kane. En plus, on n'est même pas au deuxième match, quoi. On est encore avec Superfly, il me fait galérer à mort, quoi. Allez, donc les Steel Cage, ça peut être plus fun, ça peut être plus long, mais ça peut être également plus dur. Mais c'est cool! Oh, superbe. Allez. Oh, 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 la force de Jimmy Snuka, c'est cool. Ouais, non, 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 ce coup-là est trop long à porter. Trop galère. Allez, on attrape Kane, qui veut pas se faire attraper. J'ai dit, on attrape Kane. Voilà, on le projette. Je sais pas quand contrer ce truc-là, je sais pas, je sais jamais. J'y arrive pas. Oh mon dieu, ce brise-nuque. Ah purée, mais il m'énerve. Allez, saut chassé, contrer. Coup, prise, coup, contrer. Oh mince, German suplex. Non. Allez, on prend plus dans les cordes. Boum. Mince, il était un peu trop près. Socha, c'est qui ne passe pas. Ah, mais il fait mal en plus. Oh mon dieu, il fait mal, oui. Il fait très mal. Ah, dommage. J'espérais contrer. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça. Oh, oh mon dieu. Oh, Kane, 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 Kane. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. Oh mon dieu. Est-ce que je vais réussir à le battre au moins? Allez. Monkey flip. Projection dans le coin, pardon. Pas dans les cordes. C'est bizarre, il n'y a pas de coup spécial là. Bon, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Allez, on se jette encore sur lui. Oh là là, mais il prend des risques énormes. Ah bah tiens, le voilà le dernier coup spécial. Boum, coup de boule. Tu respectes ou tu respectes pas. Allez, on le finit, c'est pas grave. Sa santé n'est pas à zéro, mais on n'a pas besoin de ça pour gagner. Voilà. Maintenant, on grimpe, on gagne. Oh mon dieu, mais quelle galère quoi. Allez Jimmy. Oh, et Kane qui décroche Jimmy Snuka. Remarquez, moi je m'en fiche, j'ai de l'avance. Attention, c'est la course pour gagner là. Oh mince. Eh, vite, remonte, remonte, remonte. Non, il va pas réussir. Oh si. Oh mince. Oh, j'ai cru qu'il allait pas réussir. Ah non, toi par contre, toi par contre. Ah, je pensais qu'il se décrocherait tout de suite. Vite, décroche-le Jimmy, décroche-le Jimmy, décroche-le Jimmy. Oh mais c'est pas vrai, on se fait décrocher à chaque fois. Ah il saute Kane, saute. Saute, saute. Grosse erreur, ah bah non. C'est pas fini, entre Jimmy Snuka et Kane. Le duel continue, Kane passe derrière. German suplex. S'il place un finisher, un coup spécial, c'est fini. Allez, c'est bien Jimmy, c'est bien. Allez, bien joué, retiens-le, c'est très bien. Allez, on enchaîne. Allez, faut le mettre KO, faut le mettre KO. Vas-y, le dernier coup. On est presque à 20 minutes d'épisode. Et pourtant, on n'a toujours pas fini le premier duel. Ah d'accord, bien joué, tu l'as manqué. Là, tu le manques pas, d'accord. Ah, par contre, Kane... Si Kane me bat trois fois de suite. Oh mon dieu, il va me battre trois fois de suite. Oh là, je vois mal comment Kane ne pourrait pas gagner. Il va placer son... Non, il place pas son chokeslam. Mais il peut très bien grimper pour aller gagner hein. Il va le faire, il va le faire. Oh mon dieu, il l'a fait. Oh purée. Oh purée. Oh purée, Kane. Ah, oh, je te déteste.
Ah non! Et moi qui pensais que c'était parce que je voulais faire le spectacle et tout, mais non, là, il n'y a pas d'excuse. Kane est plus fort, c'est tout. C'est tout. Kane est plus fort que moi. Oh mon Dieu, toutes ces défaites. Ça donne un épisode extrêmement long, les gens vont pas comprendre pourquoi. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi, vous vous dites, mince, il est vachement lourd cet épisode. Oh, il va galérer à mort, quoi. Ouais, je galère à mort, je confirme. Oh, Kane. Oh mon Dieu, Kane. Kane le fait souffrir. Et pourtant, je fais des belles choses avec Jimmy Snuka. Hein. C'est une superstar qui est également très agréable à jouer. Enfin, ce jeu en général est très agréable à jouer. Hein. C'est vrai que j'aime beaucoup jouer à All Stars. Mais là, j'aimerais faire une pause, mais je peux pas, je suis en pleine vidéo. Voilà. Les coups spéciaux en Steel Cage, c'est sympa aussi. On les envoie contre la paroi. Voilà. On va essayer de jouer là-dessus. On va essayer de faire beaucoup de prises aériennes. Allez, vas-y. Ah, le soja, c'est dommage. Oh non. Oh, j'ai dit non. Ah, mais il a mis du temps à se relever aussi, Superfly, là. Enfin, Jimmy Snuka. Pourquoi je l'appelle par son surnom? Oh oh. Bon, pour l'instant, Kane est assez mal en point. C'est bon signe. Pour nous, en tout cas. Oh mon Dieu, ce choke slam, mais il continue. Oh mon Dieu, mais Kane. Si tu me bats 4 fois de suite, franchement. Si tu me bats 4 fois de suite, je sens que je vais déprimer à fond, quoi. Tu serais pas si cruel. Mais si, c'est Kane, quand même. Le démon préféré du diable. The Big Red Monster qui vient d'attraper Jimmy Snuka. Tombstone, Tombstone, Tombstone. Oh, mon Dieu. Et il grimpe. Allez. Vas-y, Jimmy. Let's go, Jimmy. Allez, 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 allez. Oui. Et le plongeon. D'accord. Viens là, Kane. Non, mais c'est pas vrai, Kane, tu m'énerves. Si tu gagnes là, je déprime. Je déprime à fond. Allez, saute. Saute, Kane. Saute. D'accord. Hey, on peut pas faire tomber Kane. Oh mon Dieu. Mais il veut grimper en plus. Reviens là. Reviens là. Eh, oh, mais eh, 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 mais attrape-le Jimmy. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de fainéant. Paresseux. Allez, fais-le dégringoler. Allez, stop. Allez, vas-y. Descends, 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 descends Jimmy, j'ai dit. Descends. Oh d'accord. Oh, c'est pas vrai. Mais tu vas. Eh, tu vas arrêter de bouger toi. Mais arrête. Kane, je te déteste. Allez, dégage. Descends, Jimmy. Descends. Mais je t'ai dit de descendre. Et j'arrive à rien faire, quoi. Kane. Kane. Mais, oh, mais arrête, Kane, tu m'énerves. S'il réussit, je craque. Allez, vite, 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 citons. Ouh là là. Ouh là là. C'était limite. C'était juste. Descends. Mais je t'ai dit de descendre. Mais pourquoi tu descends pas tout de suite quand je te le dis? Oh non. Descends. Mais il est pénible à faire ça. Et voilà. Jimmy est sonné parce qu'il a plus de vie. Il a plus de santé. Il a plus d'énergie. Allez, viens là, Kane. Je te mets au défi de venir sauter. Voilà. Saute. Ah, dommage. Trop tard. Trop tard. Mais il a la bougeotte, Kaini. Mais attrape-le, nom de nom, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Oh, sauvez-moi. Que quelqu'un peut me sauver, s'il vous plaît. Aidez-moi. Arrêtez de vous marrer, c'est pas drôle. Oh mon Dieu, allez. Allez. Allez, Jimmy. Allez. Boum. Oh mon Dieu, l'épisode interminable. L'épisode interminable du désespoir. Le désespoir de Kev Raker sur All Stars. Titre secondaire de la vidéo. Il est déjà debout.
Non, 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 non. Oui. Allez, vas-y. Oui, Jimmy. Oui, Jimmy. Oui. La victoire de Jimmy Superfly Snuka. Oh mon dieu. J'ai débloqué Jimmy Snuka, le match 26 Warfare Undisputed. Bon, au moins je suis récompensé, ça fait plaisir. Oh mon dieu, poursuivre, on se dépêche. Oh mon dieu, c'est... L'épisode qui dure deux épisodes. Oh mon dieu, Undisputed, The Rock contre Triple H. Oh mon dieu. Mais c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Contrairement à ce que j'espère, ce n'est pas fini. Franchement, si j'étais en train de jouer tout seul pour moi, au bout de la troisième tentative, de la troisième défaite, j'aurais arrêté la console. Très honnêtement. J'aurais dit, ok, c'est pas grave, je reprendrai plus tard. Mais j'ai souffert. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Kang, on va pas se prendre la tête, on va démolir Jimmy Snuka et on va finir l'épisode. Parce qu'il n'y a aucune chance que je galère autant avec Kane qu'avec Jimmy Snuka. Enfin, j'espère, parce que si je galère autant, voire même pire, je vais déprimer, mais vraiment beaucoup. C'est pas si facile que ça en a l'air, hein, mine de rien. Mais au moins, c'est bien, c'est intéressant. Pour vous, ouais. Pour moi aussi, quand même, parce que il y a du défi, mais il y a du stress, il y a du suspense, au moins. Aïe, aïe, aïe. Et donc après, on a un très très gros duel entre The Rock et Triple H. Allez, oh, je suis épuisé, comme si j'avais combattu moi-même. Allez, on commence très fort, on charge le point. Donc, pour l'instant, Jimmy Snuka ne sait pas ce qu'il attend. Oh non! Oh, le coup de poing qui manquait, Kane. Oh, je suis déçu, Kane. Oh, Kane. Au! Ouh, qu'est-ce que t'as cru là? Qu'est-ce que t'as cru? Le point est chargé. Le point est chargé. Aïe! Il défigure son adversaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on l'écrase. Allez, direct le coup spécial. J'en ai rien à faire. Oh, ça sent le last ride. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! Powerbomb? Ouais, Powerbomb, hein, c'est le nom officiel, mais. Enfin bon, le Last Strike, c'était le coup, c'était Undertaker, mais non, je crois pas que... Non, Kane, excusez-moi pour la bêtise, Kane n'a... Kane n'a jamais porté de Last Drive. Enfin, du moins, c'était pas son coup à lui, c'était le coup d'Undertaker. Chokeslam et Tombstone, d'accord, c'était leur coup à tous les deux, mais sinon, non. Non mais tu plaisantes, reviens là, Jimmy. Oh, je l'avais presque. Là, je l'ai eu. Relève-toi. Couché. Oh, il a réussi à contrer. Ah, dommage. Mais vous avez vu ce qu'on met à Jimmy Snuka quand même? Oh purée, on le soulève. Oh mon dieu. Ah, Power Slam. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien d'être celui qui donne la punition. Il se relève. Et il va se prendre un petit tombstone. Pardon. Je travaille un petit peu mon rire démoniaque, c'est pour ça. Tu crois que c'est fini? Non, Jimmy, ce n'est pas fini. Il est fichu, Jimmy Snuka, regardez. Il ne peut plus rien faire, il est inanimé, il est perdu, il est mort. Du moins, il le sera bientôt. Get up. Get back. Ok, non, c'était pas ça que je voulais faire. Ah, il y a autre chose peut-être. Ah oui, je crois savoir. Bah écoutez, on va le punir un petit peu. Oh, de son cas, une grand vainqueur, ça c'est pas une surprise. C'est bien en plus s'il reste au sol parce que c'est un match steel cage. Quand ils sont KO, qu'on me fait une grosse prise. Oh mon dieu, la domination. Il reste au sol pour qu'on me ait le temps de grimper. Oh, bien joué. Bien joué, tu reviens dans le match, Jimmy. Oh, bien joué, tu reviens dans le match. Oh mon dieu, il va peut-être gagner, Jimmy. Non, je ne crois pas. Hop, par là. Non, je ne crois pas, Jimmy. Oh mon dieu, ce qu'il s'est pris. Troisième corde, peut-être. Non, 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 troisième corde. Troisième corde, Kane, s'il te plaît.
Oh mon dieu, c'est uppercut, c'était violent, c'était cool. Je sais pas trop ce qu'il peut y avoir comme autre coup spécial pour Kane. Bon, dans le pire des cas, on finit le match et on s'en fiche quoi. On s'en fiche. Allez, on l'achève. Enfin, moi je m'en fiche parce que j'ai assez souffert dans ce match. Bon, je pense qu'il est incontestable que Kane a gagné ce duel. C'est beaucoup plus simple avec Kane. Hein. Oh mon dieu, regardez, Kane est encore dans le vert. J'ai à peine pris des dégâts avec Kane. J'ai démonté Jimmy Snuka. Et j'étais aussi meilleur au niveau des contres. Mais ça, c'est moi qui étais meilleur, tout court. Mais sinon... Mais voilà quoi, c'était énorme. Ah, j'ai tenté. J'ai tenté. Ah, il m'a décroché, d'accord, c'est bien joué. Ah, il veut pas tenter de gagner. Parce qu'il sait que c'est inutile. Ah d'accord, j'ai cru qu'il allait grimper. Vas-y grimpe, moi je m'en fiche, on fait la course. Je vais gagner, forcément. Allez, l'honneur est sauf pour Jimmy Snuka. Il a entamé une partie de la barre jaune de Kane. Ah, tu voulais monter, désolé. Moi je le ferais bien, mais bon. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Allez, je te laisse te relever. Et je te place un petit tombstone. Allez, le tombstone pour dire au revoir. Boom. Allez. Merci Jimmy. Et je prends mon temps pour gagner le match avec Kane. Oh mon dieu, mais quelle punition quoi. Dans cette vidéo en particulier, Jimmy Snuka a souffert. Donc, qui est le plus cruel entre les deux? Je pense que nous avons notre réponse. Oh mon dieu, regardez ça. Quasiment le match parfait pour Kane. 5 étoiles partout et 4 étoiles... Enfin, non, pas partout justement. 5 étoiles en attaque, 5 étoiles en défense, 5 étoiles en technique. Domination écrasante de Kane, qui est incontestablement le maître de la torture dans une cage dans WWE All-Stars. Oh mon dieu! C'était horrible. Vous savez ce que je dis souvent dans All-Stars, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour se taper sur la tête. Eh ben, je me suis bien fait taper sur la tête quand j'ai joué avec Jimmy Superfly Snuka. Oh mon dieu, c'était atroce. C'était horrible. Mais c'était génial à la fois, c'est bizarre. C'est très bizarre. La prochaine fois, nous aurons donc ce duel entre The Rock et Triple H Undisputed. On se retrouve donc très bientôt sur All-Stars. Salut tout le monde, à la prochaine.